professeur Bidou. Hey, bonjour mon petit Fantinus, comment ça va depuis le temps? Très bien. Ah, bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qui me vaut cet honneur aujourd'hui? Est-ce que vous aurez de l'eau, professeur Bidouille? Ah, si j'ai de l'eau, oui, bien sûr, mais pourquoi faire? Pour boire. Ah, mais j'ai bien mieux qu'une boisson avec de l'eau simple. J'ai une boisson mystère avec dont j'ai seul le secret. Alors voilà, mon petit Fantinus, regardez, mon récipient d'eau. Mais c'est beaucoup trop gros. Pourquoi? Trop gros? Pour boire. Pour boire? Bah, c'est pas tout de suite. De toute façon, vous n'allez pas boire cette eau comme ça. Est-ce que ça vous dirait de boire de la boue? Ah, de la boue. Moi, je boirais jamais de la boue. Ah bon? Et vous? Vous en boiriez de la boue? C'est ce qu'on va voir. Regardez, mon petit Fantinus, je vais vous préparer une boisson. Là, je vais prendre de la terre que je vais mettre dans cette eau. Je vais le faire. Ah oui, si vous voulez. Et ensuite, on va la boire, cette eau. On va boire de l'eau mélangée avec de la terre. Et oui. En tout cas, moi, je vais le faire. On verra si Fantinus, il est prêt, lui, à le faire après. Oui, moi, je suis prêt. Oh là 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 là, mais c'est bien boueux, cette eau-là. Oui. Encore. Ah, oh, tout ça. Et ben voilà. Ben, alors ça, hein, c'est quand même moins appétissant que... Oula. Tout de suite. Alors, cette petite potion est prête. Allez hop, j'y vais. Ah ben non. Voyons, quelle idée de boire de l'eau sale et boueuse comme ça. N'importe quoi. Non, il faut surtout pas boire cette eau-là. Non, par contre, j'ai ce qu'il faut. A priori, en tout cas. Voilà, j'ai une sorte de paille magique. Eh oui. Eh oui. C'est une paille qui va filtrer l'eau. Hein, comme ça, je vais pouvoir la boire. Hop, j'aspire. Et voilà. Donc je vais commencer parce que je n'ai jamais réalisé cette expérience. On ne sait jamais. Donc hop, j'y vais en premier, Fantinus. Et si vous le souhaitez après, vous pourrez tester vous aussi. Enfin, si ça marche. Si je suis encore en vie, tout ça, c'est déjà un bon signe. Hein. Bon allez, j'y vais. Je plonge donc la paille dans ce récipient. Et là, hop, je mets ma bouche et j'aspire. Alors, faut aspirer très fort, hein. Alors ? Ça marche ! Il n'y a pas du tout un gramme de boue ! Vous voulez tenter ? Oui ! Ça y est, Fantinus, c'est pareil. Alors, faut aspirer très fort. Alors ? Vous avez de l'eau ? Eh bien, qu'on le voit ! Montrez-nous ! C'est trop bon ! Ah, faut faire un petit gargarisme. Vous gardez de l'eau dans votre bouche que l'on montre bien que vous avez bu l'eau. Eh oui. Donc, ok. Allez, Fantinus, je vais m'y remettre. Je vais réessayer. Et là, je vais recracher l'eau que je vais aspirer par la paille dans ce verre. Et on va voir quelle couleur elle a. Allez, hop, c'est parti. Allez. Elle est complètement transparente. Oui, ça marche. Il n'y a pas un gramme de boue, dis donc. Je veux voir. Hein? Vous l'essayez, Fantinus, encore? Oui. Oh, ah, mince. J'ai mis de la boue dans le verre. Donc, il y a un gramme de boue. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça n'a même pas le goût de terre, dis donc. Hein? Mais Fantinus, il faut recracher l'eau dans le verre. Voilà, à savoir, hein, j'avais vu sur un petit bout de papier avec cette paille qu'elle était capable de filtrer jusqu'à 1000 litres d'eau. Incroyable, 1000 litres d'eau et qu'elle détruit, qu'elle filtre 99,99% des bactéries. Formidable. Eh ben, mon petit Fantinus, vous aviez une sacrée soif. Oui. Imaginez, vous êtes en randonnée comme ça, hein. Pas d'eau claire, d'eau du robinet, d'eau en bouteille. Hop, vous avez cette paille, paf, dans la flaque de boue. Et voilà, vous êtes très hydraté. Ou même dans les pays où il y a de l'eau, on ne sait pas trop ce qu'il peut y avoir, si c'est sain ou pas. Vous partez avec cette paille et hop, la solution est là. Vous pouvez boire de l'eau tranquillement. Voilà, Fantinus, qu'est-ce que vous en pensez? Super. Un pouce bleu. Il a fait un pouce bleu, Fantinus. Mais... vous pensez qu'avec du coca, ça marcherait? On saurait le goût de l'eau ou de...
de coca. Mais quelle question intelligente. Ouh là là, mais ça, ça fera l'objet peut-être d'une autre expérience, non? Qu'en pensez-vous, Fantinus? Oui. Allez, on vous dit à très bientôt. Gros bisous. Bisous. Pouce bleu, partagez. Et pouce ciao, ciao. Bleu, partagez.